printemps 2017, N'Golo Kanté, qui est déjà un joueur de Chelsea à Londres en Angleterre, revient pour quelques jours en région parisienne dont il est originaire. Et ce qui se passe, c'est qu'il est dans un restaurant, on traîne un peu, on l'invite dans une voiture et on va le menacer avec une arme. On lui pose, selon les éléments qu'on a pu écouter et recouper, une arme sur le genou avec comme menace qu'il faut qu'il quitte son agent. Ton agent, soit tu le quittes, soit on le descend. Et alors qui l'a menacé avec un pistolet sur le genou ? Selon les éléments toujours qu'on a pu recouper avec Timothée, mon collègue, c'est le frère d'un des agents, parce que son frère justement n'était pas sur le premier deal du transfert à Chelsea, ce que lui estimait être un passage obligatoire par rapport au travail qu'il avait effectué et au fait qu'il était depuis longtemps dans l'entourage de N'Golo. Son transfert, il est de 35 millions et le montant des commissions dépasse les 10 millions d'euros, ce qui est aujourd'hui assez énorme et improbable dans le milieu du foot. En fait, depuis le début de sa carrière, N'Golo Kanté, c'est un joueur qui a percé assez tard, qui est passé par Boulogne-sur-Mer en national, à un niveau assez faible, puis la Ligue 2 à Caen, puis Leicester. Et depuis le début de sa carrière, N'Golo Kanté, il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à son évolution. Donc il y a des agents officiels, des agents pas officiels, des gens de son quartier, des vieux amis à lui, et même d'autres personnages qui apparaissent à certains moments, comme un agent, une personne qui se veut agent d'image. Sur une période donnée, et rien que sur l'aspect sportif, il y a 11 agents qui travaillent autour de N'Golo Kanté. Ça, c'est la magie du foot. C'est pas forcément des gens qui travaillent pour N'Golo Kanté, avec N'Golo Kanté au quotidien, mais qui vont servir parfois d'intermédiaire sur un transfert. Quand les dirigeants de deux clubs ne se parlent plus, un agent va servir d'intermédiaire pour mener les négociations, mais sans forcément parler avec le joueur, sans forcément être un proche du joueur. Ce sont des gens qui ont du réseau, qui par leur entre-gens aident sur des transferts. N'Golo Kanté, à un moment, de ce qu'on a appris, a fait une démarche pour essayer de changer d'agent, ce qui n'est pas arrivé. Au final, il a prolongé son mandat de représentation avec ces gens-là. Et comme la situation a fini par se tasser, en quelque sorte, voilà, lui, ça lui allait. Et vous l'avez contacté, N'Golo Kanté ? De par sa personnalité et sa façon d'être, lui, il veut que les choses se tassent, que les choses soient réglées et ne pas avoir de problème, que ce soit pour lui ou ses proches. Voilà, il nous a juste informé que tout allait bien dans sa vie, très pudique, avec très peu de désir d'évoquer ces sujets-là, comme il le fait d'ailleurs avec même certains de ses amis proches, où ça peut lui arriver de se braquer dès que la conversation peut mener là-dessus. Il nous dit que tout va bien dans sa vie, que sa priorité c'est de jouer au foot et de rejouer au foot, lui qui a connu beaucoup de blessures. Voilà, il n'évoque pas du tout ces sujets-là et il ne veut pas vraiment les évoquer. C'est quoi aujourd'hui le futur de N'Golo Kanté ? Ben N'Golo Kanté, déjà, et on est ravis pour lui, c'est qu'il a repris l'entraînement avec Chelsea, complet, après des mois de galère liés à une blessure. Voilà, il n'a pas pu faire la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Il a eu beaucoup de pépins, beaucoup de rechutes. Et ensuite, il arrive en fin de contrat avec Chelsea, donc il va très vraisemblablement signer un nouveau contrat avec Chelsea. Donc je pense que N'Golo Kanté, il va rester à Londres, et vu son âge, c'est probablement le dernier contrat de sa carrière qu'il s'apprête à signer. Dans sa mentalité, l'idée c'est qu'il n'y ait pas de problème. Donc aujourd'hui il n'y a pas de problème apparent. Donc pour lui, voilà, c'est un peu jusqu'ici tout va bien.